Et nous voici de retour pour la suite de notre aventure. Aïe, je me pète dans le micro. Et j'ai une lettre. J'ai trouvé ton objet perdu, fais attention la prochaine fois. Mais géodes, mais je les ai rachetés. Ah, en fait, d'accord, ok. Je les rachète et on me les donne. Ok, ok, j'ai capté. C'est la saison des murs en ce moment, les buissons regorgent. Je veux en ramasser, mais j'ai perdu mon panier. Peux-tu m'aider, Linus? Ça rapporte combien, cette merde? Je sais pas. Oh Linus, petit Linus. Bon, vous allez ouvrir des géodes. Mon but, mon Indo. Les amis, sachez que dans 2 jours, c'est un grand événement à Pelican City. Comment ça s'appelle la ville? C'est ça, je crois. C'est City? Village, plutôt. Pelican Village? Village Pelican? Ouais. Je vois pas Toucan. Ça aurait été drôle. Mais il doit être toujours dans son lit. Ouais. Les amis, je suis trop heureux. Quoi? De partager ces moments avec vous. Oh, on est très heureux aussi. Ouais, franchement, quand t'attends toute la semaine pour jouer à ça, et que t'y es enfin. Ah oui, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Quartz de feu dans la géode. Oh, et c'est quoi ça? Fragment d'étoile. Oh. Je me rappelle plus à quoi ça sert ça. Or piment. Putain, mais j'ai que des trucs qu'on n'a pas. Jagoïte. Mais c'est quoi tous ces trucs? Poto, tous ces trucs, il va falloir que tu les emmènes à la bibliothèque. Oh, c'est quoi ça? Slime pétrifié. Mais il met bien là, le type. Bon, du charbon, ok. Un charbon. Oh, c'est mal. Ardoise, j'en avais déjà. Ok, let's go alors. On y va. C'est Pelicanville. Très Pelicanville. Stratoucan City. Allez, on... Néo. Graines de citrouille. Aria, rejoins-moi au salon ce soir après la tombée de la nuit. Voilà. Oh. Les amis, je vous ralasse. Quarante œuvres au musée, succès. Le parchemin, il faut pas le poser, parce qu'il me propose de le poser dans le musée, mais il faut le poser. Après, tu peux potentiellement retomber sur les mêmes, je crois. Enfin, franchement, j'ai un doute, faut vérifier. Parce que après tu croises le nain et tu... Parce que là j'ai un parchemin du nain. Et ouais, je sais pas, en tout cas il les a donnés, donc donne-les, écoute, on se fiche. Vas-y, je le donne. Vase en obsidienne, hein, comme dans Minecraft. Épouvantail de collection. Oh, stylé. Je vais le mettre, c'est trop bien. Je lag. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Non, c'est pas bon. On a 2 FPS, ça y est. Arrêtez! Je vais mourir. Non. Ah! Est-ce que Sid est toujours en live ou pas?
pense, sinon on aurait 1 milliard de viewers. Ouais, toujours en live. 70 viewers. Il a joué à Phasmophobia il y a 2 jours. Alors hein. Franchement, j'avais pas trop vu, à part aux Z-Event, un tout petit peu, Sardoche dessus. Franchement, je pense qu'entre potes... En plus, il l'a eu en version craquée, tu vois. Donc ça vaut rien. Entre potes, franchement, ça a l'air incroyable. Hein. C'est vraiment Gus DX Simulator. J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est vraiment Gus DX Simulator. Je connais pas. Bah, c'est le mec qui fait Chasseur de Fantômes, là. Quand Sid, il a visité sa maison hantée, en fait, c'était il reprenait son concept un peu. Mais c'est celui qui mentait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. Il avait menti avec le fil, là. C'est ce même genre de délire. Ça a l'air sympa, hein. Mais bon. On a mieux à faire. Oh, moi, ça me dit bien, hein, mais... Je tiens à finir ce jeu. Oui. Enfin, finir. J'imagine que ça va être compliqué de le finir, mais... Ça va être long. Enfin, après, à 4, peut-être pas, hein. Au moins faire 2 ans, je pense. Et après, voir si ça se répète pas trop. Ce qui me pose souci, c'est qu'on n'a pas de feuilles pour... On a les plantes, mais on n'a rien pour remplir le silo, donc bon. Ça va se remplir avec quoi ? Avec les hautes herbes, mais pas les petits... Enfin... Je sais pas comment t'expliquer. T'as deux... Pas les... Pas les feuilles qu'on a en... avec la houe, avec la faux. Comment ça comme s'appelle ça, ça ressemble vraiment à la fibre. Avec la fibre ? Non. L'autre, qui donne pas de fibre, qui donne rien. Ah. Je vais essayer d'aller voir ça. Je suis trop curieux de débloquer les nouveaux lieux, tu sais. Le désert ouais, et tout, après, ça a l'air incroyable. Honnêtement, il y a des trucs qu'on va débloquer. Enfin, c'est difficile de s'en lasser, tu vois. Parce que ouais. Dès que t'as fini un objectif, t'as un autre truc. Donc, ça peut être décourageant, mais pas lassant, en tout cas. Mmh. Oh, pour l'instant, ça se renouvelle grave. Ouais, c'est surtout qu'on joue qu'une fois par semaine, tu vois. Donc, ça, on a rien sur cette map pour remplir le foin. Il va falloir qu'on l'achète. Bon, on a un truc de paille. Ah merde, je les ai plus. Dommage. Il y a dans un bundle, on peut mettre les aubergines. Ah oui, il y a meringue, il est énervé là. Il a toujours pas grandi. Faut le nourrir. Bah, hein. Il a toujours pas mangé surtout. Il faut lui il donner quoi ? Il avait plus rien à manger. Mais il faut lui donner de la paille, sauf que la paille, on peut pas en prendre sur... Normalement, sur le terrain, t'as des herbes hautes que tu coupes avec la faux, là. Mm. Et en fait, ça te donne de la paille, tu stockes tout et t'es tranquille. Sauf que, heureusement que j'ai planté du blé... Ah non, que j'avais fauché déjà de l'herbe, parce que le petit piaf, il a rien à bouffer. Ah, parce que tout à l'heure, j'ai donné à bouffer, mais il était énervé, donc je pense qu'il a pas kiffé. Ah, parce qu'il faut de la paille. Ouais, c'est ça. La paille, tu l'achètes chez Marnie.
Ah ouais, tout à l'heure j'ai voulu aller chez elle, mais elle était pas là et ça disait que c'était fermé aujourd'hui. Je vais mettre mon nouveau épouvantail. Allez, go. Il est terrifiant. On dirait un peu quand je m'en dis écoute. Ouais, le masque. Ouais. S'appelle Fragments déjà le d'être. masque, il a un nom. C'est Aku Aku et Uka Uka. Oh merde, il fallait que j'aille au bar. Oh putain, quelle conne. Une vase en obsidienne. Tu vas au bar là? Bah ouais, mais je pense que c'est trop tard, il est 9h10, il m'a dit à la tombée de la nuit. À la nuit, ça fait bientôt qu'il se lève, hein. C'est bon, on est au resto. Au resto. Petite musique. Oh! On se regarde dans le blanc des yeux, mais on parle pas. Vous allez vous marier et stresser peut-être. Pas du bois en rab. Tout quand il parle plus. Il lui vénère. Quand. Tu veux combien de bois? Oh, il est trop 10. mignon. Combien? 10. Écoutez la petite musique. Tiens, de droite. Elle vit sa meilleure vie. Merci, Quand Béji. je t'ai rencontrée, je te trouvais vraiment mignonne. Normalement, quand j'ai le béguin pour quelqu'un, ce sentiment disparaît assez rapidement. Mais avec toi, mes sentiments grandissaient. Bah ouais, t'es là, t'es toute colère. Je vais te Je donner un ressens peu de la même chose réconfort. pour toi. Non, ça va, je suis gentille. Il m'a donné à manger. Oh, let's go. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fallu si longtemps pour se dire ça. Là là, c'est incroyable! Ce genre de truc, ça me gonfle, tu vois. C'était Et pas le comme ça dans chien. la vraie vie. Voilà, c'est tout. Plus que Aïe, deux aïe. dodos et tu te maries. Ah, un dodo. Je sais Il y a pas, il ce compte deux. plus. Ouais, bah, Il y voilà, maintenant je vais tomber dans les pommes à cause de ce connard là. Minuit et demi, je cours à la maison. Cendrillon 2.0 Stardew Valley. Allez, vite, 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 vite. Cendrillon du ghetto. Même pas fait mon enterrement de fille, j'ai Pourquoi t'es dans ton lit? ouais. Après, let's go, on dort ensemble. C'est bon. J'ai même pas fait mon enterrement de vie de jeune fille. Vous m'avez rien organisé. En bande organisée. Mais non, t'étais au resto. Oh. Ouais, Je ouais. trinque à ta santé. À la santé d'arrière. Et de son époux. Plus que un dodo. Trop bien le nouvel époux, taille. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour mon enterrement de vie de jeune fille? On va dans les mines. Allez. J'arrose les plantes d'abord. Bonjour Young, dans une semaine nous organisons la fête de Stardew Valley sur la place du village. C'est le plus grand événement de l'année, attirant des gens de tout le pays dans notre modeste village.
Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un présentoir de fermier pour l'événement. Il suffit d'apporter jusqu'à 9 choses qui mettent en valeur vos talents. Ouais, vous serez jugé sur la qualité de la diversité de votre présentoir. La fête commence à 9h du matin, ne la manquez pas. Et ils préviennent une semaine à l'avance, c'est fat. Qui c'est qui change tout le temps le panneau à côté de la poubelle? J'ai pas fait exprès. Mais tu sais que ça m'a pris une blueberry. Hein. Ouais, j'ai vu. M'a volé, ma mieux. Du coup, on ramène que des trucs en or, j'imagine. Ouais, c'est dans mon feu. Tu t'en occupes? Ben, je sais pas si c'est j'ai 9 différents, en tout cas. J'en ai 9 chacun ou tout... 9? Non, 9 en tout. Tout quand, je pense qu'il doit avoir 2-3 poissons. J'ai 2-3. Je peux vous décoter 2-3 poissons. Young, tu peux vérifier si le piaf il a à bouffer et lui faire un petit tap-tap sur la tête là pour qu'il soit content. J'arrive. J'ai juste mon petit vase en obsidienne sur ma table. Ah oui, petit, on dirait une chicha géante. C'est quoi ça? Dégueulasse. Petite bague scintillante, ça fait quoi ça? Ah, ça fait un peu de lumière. Alors. Il y a du foutage de gueule. You meringue. Le prochain on l'appelle merguez. Meringue et merguez. Un peu de nuggets. Oh, il a grandi, ça y est. Yeah. Il a un mois. Meringue a l'air d'être en forme. Ouais, il y a de la paille. Ah, il a pondu un œuf. J'en fais quoi de l'œuf? Soit tu le vends, soit tu le mets dans la machine à mayonnaise. Machine à mayonnaise. Machine à mayonnaise. On dit que pour les japonais, tu sais. Toi, t'es japonais? Je suis japonais. Allez, gâteau. De quoi? Toi, t'es japonais? Oui, je crois que c'est bon. Je vide mes poches et c'est bon. Enfin, elle va faire une aventure. Oh non. Oula, oula, j'allais. Ouf! J'allais glisser. Hein? Hein? Non. De quoi? Si je me mute, je peux le dire. Mais... Vas-y, mute-toi. Vas-y, mute-toi. Voilà. Alors, donc on disait la mayonnaise. Allez, go, viens. C'est bon, vas-y, tu as le temps de mourir. Allez, on y va. On va où? Ben, ah, on va fêter. Une jeune fille. Allez, let's go. Vous venez? On va où? Ouais. Faut aller où? À la mine. Non, mais c'est bon, hein, ceux qui... j'en connais un qui a pas envie de venir m'enterrer une jeune fille. Et sache que je suis déjà dans la mine, donc à un moment donné. Quel homme. Ah ouais. Bah, tu pourrais avoir un peu plus d'entrain tout de même. D'accord. C'est mon mariage hein, dont on parle. C'est quoi ça, Aria? Après. Bon, d'accord. J'aime bien qu'on ne veut pas spoil. Après, hein, pose pas de questions. T'es pas du tout dans la mine, espèce de menteur. Non, je suis à côté. De toute façon, t'es jaloux de mon bonheur. Oh, bien joué. Ok, là, j'ai rien à dire. De mon joueur, n'importe quoi. De mon bonheur qui n'existe pas. Avec mon marque qui n'existe pas. C'est pas faux. Ouais, ça vous arrange. Faudra que j'achète la bague pour faire des crits. Quand je crit à 99. Coco, hein? Tu parles plus? Si. Bah non. Elle est en train de choisir sa tenue pour mon mariage. Oui. Oh. Fais gaffe, il y a des mages en dessous. Je suis en train de t'éviter une chauve-souris.
Mais je suis descendu, moi. Quand ça y est. C'est trop bien, ça veut dire que je ne vais plus voir pour mon mariage. Merci beaucoup. Il pleut le lendemain? Bah, je crois, ouais. Ah non, dis-moi pas que bah, fallait me le dire. Oh non. Il va y avoir tous les mobs. Ça y est, ça arrive. Mariage pluvieux, mariage heureux. Alors, c'est pas pluvieux dans ce sens-là. Genre, oh non, je vais avoir tous les trucs genre, les prochains, c'est vous. Non, les mariages de gens âgés, en fait. Plus vieux. Holder, en anglais. Derrière toi, attention. C'est le pire enterrement de vie de jeune fille que j'ai vécu de toute ma vie. C'est quoi cette épée de merde que j'ai là, on dirait un cure-dent. Je bug. Ah, je vais mourir. Attendez, je me régène. Je suis mort. Pourquoi tu veux m'offrir une mur? Bah si t'as plus de vie. J'ai perdu quoi là? Maintenant que je sais qu'on peut racheter un item. Non les gars, on perd trop d'argent. J'ai perdu 400. Bah là on a perdu 3000. J'ai perdu 400 PO, 402 PO. On est passé de 10 000 à 7 000. Putain. C'est sûr, c'est pas toi qui risque de mourir. Tu viens jamais dans la mine, même pour l'enterrement de vie de jeune fille. Bien, Coco, on s'en va. On perd trop d'argent. Vas-y, on s'en va, on va plus à la mine. On n'atteindra jamais le niveau 100, c'est pas grave. Si on nous déteste, tu préfères Brian. C'est pas grave. Merde, putain. Ah, je mettrai pas mon enterrement de vie de jeune fille. C'est pas grave. Bon, je vais revendre tous mes items pour rembourser. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je rigole, quoi. Je peux racheter pour ça. De quoi? Je vais rigoler, hein. T'inquiète, là j'ai un truc avec Abigail, c'est pour ça. Oh, elle fait sortir toutes les chauves-souris. Oh, c'est un enterrement de vie de jeune fille et moi rock'n'roll, mais tant qu'on est avec ses amis, tout est amusant. Oui. Alors, tu racontes quoi? Bah, ça mord pas trop. Ouais. Mais avec Marou, t'en es où? Attends, mon casque il a bug. Tu disais? Avec Marou, t'en es où? Ça stagne depuis 3 semaines, je pense que... Ah, tu sais, Marou, elle aime les belles choses, hein. Oh putain, Coco, elle est défoncée. Allez, ciao. Ah, trop fort, c'est sur la boisson. Je lui ai fait un bisou. Comment tu lui as fait un bisou? Eh ben là, on s'enlace, en fait, là. Je sais pas si on fait un bisou ou si on s'enlace. C'est pour ça que t'es pas venu à mon enterrement de vie de jeune fille. Ouais, j'avais... Non, mais je serai là au mariage. Eh ben non, parce que ni toi ni elle vous êtes invités. Salut. Non, attends, reviens. Non, je te parlerai plus jamais. C'est pas ce que t'es quoi? Je te parlerai plus jamais. T'es pas un ami, t'es un traître. Mais non, c'est pas ce que tu crois. De toute façon, je cours plus vite que toi parce que j'ai de l'avance. Elle est tombée dans mes bras et puis... Mais non, mais...
C'était mon enterrement de fille de jeune fille, tu pouvais l'enrouler. Mais j'ai combattu. J'étais pas. J'aime trop quand il retourne sa veste comme ça. J'étais pas. Ok, ça marche. Tu nous as jugé, sale jugeur. De toute façon, Coco a fait la gueule. Non, elle aime pas le jeu. Allez, on est. Elle est bipolaire, de toute façon. Voilà, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, petit Gémeaux, hein. Moi non, je suis très... très heureux. Tu es très net. Oh, petit chat sur le tapis. Oui. Ariapédia ? Non, tu n'es pas venu. Non, tu n'es pas venu. C'est clair. Je suis bugué. Dommage. Je suis bugué ? Non. Mais... qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas bouger ? Je suis bugué ? Ah c'est bon. Wow. Le bon mariage était foutu, j'ai déjà perdu un ami. Si en plus j'en perdais un second. Pas pour les mêmes raisons. Non, pas pour les mêmes raisons. Toi ça aurait été malgré toi. Ouais. Il y en a un, c'était de son plein gré. Pas pour des bisous que t'aurais pu faire le jour de mon mariage, ça serait foutu. Je t'aurais même envoyé le bouquet. À cause de toi, il va pleuvoir. À cause de lui, il va pleuvoir en plus. Et Coco, elle fait la gueule. Hein. Non. On aime bien les running gags, hein. Ouais, santé. Toutes les nuits, je bois. Pour oublier. Oublier qu'à cause de moi, on a perdu 3000. Ah oui, je devais tout revendre, putain, j'ai oublié. À cause du bug. Je vais revendre toutes mes pierres précieuses. Pour rembourser ma dette. Niveau 4 combat. Bac de guerrier. Waouh. Enfin, niveau 3. Les amis, c'est le grand jour. Quand Aria est arrivée à Pelicanville, c'était impossible de savoir si tout se passerait bien avec le reste de la commu. Mais à partir de ce jour, Aria fera autant partie de cette ville que nous. Oh, donc nous on les démerde. J'ai le grand honneur en ce jour 10 de automne d'unir Aria et Alex par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Il avait bien. La langue. Allons-y. Oh, c'est beau. Aria, Alex, en tant que maire du Pelicanville et représentant régional du sceau matrimonial, je vous déclare mariée femme. Vous pouvez vous embrasser. Ouais, yata! Vive les mariés! Il n'y a que Marnie qui est heureuse là. C'est beau. La vie va être très différente à partir de maintenant. Mais l'avenir a l'air prometteur. Sors! Le mariage il est magnifique ouais. Par contre tu pourrais m'aider à arroser les plantes. Ah il est là oui. Coucou. Jean il habite là maintenant. Salut BG. Oui. Hey, je peux te poser une question bien sûr. Tu vois que les filles aiment ma coiffure. Comment ça les filles? Comment ça les filles? On dirait que t'as un champignon sur la tête. Moi je dis c'est très à la mode. C'est juste la jalousie parce que je suis trop beau. Oh je le déteste. Oh qui dégage de ma ferme lui. Qui dégage de ma ferme. C'est un enculé, il a dit ça plairait aux filles. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre, t'es marié? C'est la première phrase que tu dis après ton mariage. Connard. Divorce. Divorce. Je m'oppose. Ah non c'est trop tard. On peut divorcer en plus sur ce jeu? Oui on peut. Aria je peux te poser une question?
Putain, mais... Fais chier. Si je dis pas... Si je... Est-ce que je peux rester à 10 cœurs toute ma vie, là, pour l'instant, juste attendre du mariage? Ou faut que je leur offre oui, des cadeaux? Oui, tu peux. Ok. Enfin, je crois que si tu fais pas les cadeaux, tu peux perdre 10 cœurs. Ah bon? Oui. Je suis pas prêt à ça. Tu sais, l'amour, ça s'entretient, hein. Écoute, tu penses que je vais la marier, hein? Un truc de pêche là. Oh! Faudrait essayer de garder l'art de la pêche en lumière. 4 vivano rouges! Bah, je veux bien, mais il faut qu'il pleure en fait, en enculé là. J'ai des graines Aria dans le coffre de droite. Ouais, mais. Ok. Oh, c'est à titre informatif, hein, c'est. Il est fermé mercredi, fils de. Attends, je mets juste ça en plus. Gelée de myrtille. Ouais, je l'ai pris. On met là. Y a pas des fruits pour moi là. Je vais aller te voler de la bouffe dans ton frigo. Pédale. Il y en a plein de bouffe dans mon frigo. Mais fais gaffe à celle-là oui. Que tu prends. Ouais, 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 t'inquiète. Pour le festival. Je prends les trucs nuls. Je prends aubergine et maïs avec l'étoile. Pour pour les mettre dans le bundle. Non, avec l'étoile, il en faut 5. Ah, il en faut 5 ? Eh oui. Ok, je te les remets. Je vais aller mettre l'aubergine. C'est ça qui est relou. J'avais pas capté. Est-ce que je veux offrir juste un cadeau par enfin par semaine, tu vois, ça, comme ça on reste à 10. Je vais lui offrir un petit cadeau, tiens, ça fait longtemps. Bon, comme notre relation est stagne. Allez, un petit lingot. Ah merde, j'ai pas été voir s'il a pondu l'autre. J'y vais, vas-y, t'inquiète. Ok. Merci. Je t'en prie, j'ai un mari qui ne sert à rien. Il préfère savoir s'il a une coupe de cheveux qui plaît aux meufs. Ouais, mais je vais le remettre à sa place, je vais voir comment prendre dans sa vie. Hein. Demain, c'est l'anniversaire de Jody et dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Speak. Abby. Pourquoi elle aime pas le jeu? En plus. C'est ça. Salut Marou de secours. C'est un cadeau génial. Tu as du métal en trop, je pourrais l'utiliser pour un de mes projets, mais seulement si tu n'en as pas besoin. Pouah, mais c'est quoi? Je te donne tout. Oh, il me manque plus qu'un cœur. Oui. Maru-chan. Si vous voulez tous vous marier, vous m'arrangez là. Parce qu'avec toutes les récoltes qu'il y a, ça m'évite. Pourquoi? C'est quoi le délire? Ben, quand t'es à 10 cœurs, normalement, le collier pour te marier, là, il apparaît que les. Faut aller chercher à la plage en bas. Mais quand il pleut, du coup le jeu automatiquement il te met des jours de pluie, tu vois. D'accord. Ah merde, je voulais aller. Bon, c'est pas grave. Avec vous.
Il va me buter ce connard là. Il y a l'échelle. Ouais, mais je suis obligé de back. PK. Vraiment nul en PVP, je sais pas pourquoi c'est moi qui ai l'épée. Ruby. Bon, je reviens pas. Il est en train de me buter, ce gros connard. Arrête, si tu meurs tout quand il va te clasher. Je m'en vais alors, puisque c'est comme ça. Oh Maru, que fais-tu là? Et il y a une explication sur les petites bébêtes là? Les petites bébêtes. Les petites bébêtes. Les bébêtes. Les esprits de la forêt quoi. Ah, il fallait bel et bien un maïs. Hein. Il y a celui où il en faut 5, mais là où j'ai mis l'aubergine, il faut un maïs normal, sans étoile. Ok, je l'emmène. Si t'en as un sans étoile, hein, sinon ça sert à rien de le cramer, tu vois. En haut à gauche. Bon, je vais aller tout revendre pour rembourser ma dette à tout camp. Parce que je vois qu'il me regarde de travers quand je le croise depuis tout à l'heure. T'es fou, même pas, même fuis pas. T'as vu? Il me déteste. La réaction confirme. Ouais, c'est bon, j'en ai un. Alors. D'accord. Coco, tu savais que là tu avais les murs quand c'était violet? Non. Tu fais comment? T'appuies sur A. Bon, je revends fou le truc. J'espère que tout le monde me pardonnera après ça. Alors là, si ça rapporte pas 3000, c'est que je m'appelle pas Yongaming. GG. Le panier, je l'ai dans le bundle, je l'emmènerai en tant que... Putain, la citrouille, ça met super longtemps à pousser. Hein. Je crois que c'est 12 jours. Ça doit rapporter de ouf. Hmm? Ça doit rapporter de ouf. J'ai reçu 3 colis de panais aujourd'hui. Pensez au jeu direct.
À la santé du colonel. Ah, c'est déguisé en Hermione. Ça fait même pas 3000, mais j'ai envie de crever. J'ai tout donné. Il faut pas vendre. Il faut pas vendre le fer. Hein. Ouais, mais j'ai une dette. Oui, ben pêche. Je t'ai encore 1000 à tout camp. Pêche. Il me parle plus pas depuis. Du fer, on en a besoin. Il me parle plus depuis. Oh, toucan. C'est il pas parce que ton chat. Il vaut mieux partout dans ta chambre. Ça va être désagréable. Il boude. Oh, mais il boude. Il va pas bouder longtemps, je te le dis, moi. Tu vas rien faire. T'entends pas, vas-y, tu peux parler devant ton micro, s'il te plaît ? Tu vas rien dire, tu vas rien faire. Je vais rien faire. Quand je vais te retourner la tête, tu vas voir si je vais rien dire et si je vais rien faire. D'accord. Espèce de merde, va. Par contre. T'apprends de la vie, moi. Oui. Oh, tu vois ça, comme ça, mais ça a le don de me faire monter la tension. Toucan, Coco, Algue Marine, Agus, il donne 540 PO. Il faut les trouver dans les coffres. T'en as pas gardé ? Eh ben moi j'en ai. Voilà. Il va le vendre, lui. Mais quel... où il est, lui ? Il parle depuis ses toilettes, là. On va augmenter son son, sinon on va rien entendre sur la rediff. Ah, c'est déjà à fond. Non, mais il me déteste, Réa. Tu vois, il souffle. Ouais. Bon, je vais pêcher, je vais faire 5000 d'un coup là. N'oublie pas les petits verres. Dans d'autres parties du monde, c'est le printemps en ce moment, tu t'imagines ? Ouais, Marou, je connais. Ça s'appelle les saisons. Bon, let's go la pêche, allez. Journée pêche. Y'a Vomito qui est revenu. Excusez-moi. J'ai encore il a la gastro. Il a la gastro. Je trouve pas rien. Le truc il a dégueulé partout. Je te jure, il m'en fout. Il s'en va un soir. Sur le lit. Au calme. Tout quand t'as remarqué que quand tu pêchais, les poissons qui apparaissaient, ils étaient de couleurs différentes. Ouais, bien sûr. Okay. C'est comme ça que j'ai le truc légendaire, j'ai vu que c'était ça. Moi, j'essaie de m'intéresser à tes passions pour que tu remontes dans ton estime, tu vois. C'est pas bien, truc. Il s'en fout complet. Non, tu me détestes pas. Nous, on est là, on est gentils. On ramasse le moindre ver de terre, le moindre vermisseau.
Voilà le remerciement. Ça va aussi. Ah, t'inquiète. Oh, succès pêcheur. Carpe de 43 cm. Bonjour. Il y a quelqu'un qui a ouvert au poulet ou pas du tout? Ah Non. putain, je sais ce qu'il faut faire. Putain, je suis Dis-nous trop tout. conne, mais je suis trop conne. Dis-nous tout. Il faut l'acheter de l'herbe. L'herbe? J'ai envie de l'herbe, monsieur. Pas de la fibre. Ok, j'ai pas d'herbe. Écoute pas quand on parle. Lingot en iridium. Toujours la même rengaine. Il y a des bons trucs dans les poubelles, vous rigolez, oui. On rigole. Géode Omni. Ah oui, mais Géode, bien joué, il faut que je le fasse. C'est quoi ce mob? What? Et eh ben voilà, avec la fibre, on va pouvoir faire de l'air. J'ai acheté le plan. Putain, heureusement que je suis là. Heureusement que je suis le cerveau de la bande. Hein. Je reviens. Et de la fibre, on en a à revendre. Moi, j'attends toujours la fibre. Il est bien féroce. Ah, mais en fait, t'es allé te faire un salto arrière dans le lit sous la couette parce que tu es obligé de laisser ouvert parce que le chat il a vomi et que ça pue. Non, je suis devant le PC là. Ah ouais? Bah pourquoi on dirait que tu es à l'autre bout du monde alors? Non, là ça va là. C'était tout à l'heure. Je vous vole toutes vos fibres. S'il te plaît. Vous n'en avez pas. Vous n'avez rien. Heureusement qu'il y a Coco parce qu'elle en avait 120 de fibres. Allez. On met un peu de fibres. Eh oui, moi je. La fibre. Ouais, depuis elle nous pique toutes nos fibres, c'est ça. Alors, je pêche des déchets. Mais comment ouais, ça là, Poscaï. Vous coupez pas l'herbe, hein, parce qu'il faut qu'elle se propage. D'accord, d'accord. Ah mais vous avez eu le deuxième parchemin 2, mais il fallait me le dire. On l'a dit et j'ai même demandé est-ce qu'il fallait le mettre ou pas. Enfin, mais nettoyer le vomi sur le lit à ce moment-là. Ah, sûr. Pas sûr de ça. Mais... Ah mais t'as le 3 en plus. Si. Oui. Bon, fallait pas le mettre. Si si, mais sur celui-ci, il faut le 2 maintenant. Oh, il y a un champignon. Mais pas dans la crainte de tout camp ainsi. Ouais, mais je sais qu'il me déteste et ça me brise le cœur. Putain, il nous manque 20, putain, ça fait chaud. T'as vu, il a pas nié. J'ai accepté sa quête, je lui ai donné une algue, il m'a dit c'est dégoûtant. Va te faire foutre. Voilà, va bien te faire foutre. Connard. Cognon.
personne parle. Ouais, j'avoue, c'est angoissant. Non, en même temps, c'est triste. Y'a que Aria et moi qui parlons, dans le moment. Oh là là. Ose dire le contraire. Voilà. Non mais je tryhard là, je suis niveau 89. Faut pas que je meure, c'est bon, 90 débloqué. Il a intérêt d'être heureux ce poulet de merde hein, parce que... Lame en obsidienne. 45 de dégâts. Plus 10 de crit. Merde. Ah c'est insane, les gars niveau 90 vous avez une épée de cheat. Ah ouais. Bon, on ira voir ça. Ne me coupez pas mon herbe. Parce qu'il faut qu'elle se propage. Je le répète encore. Vas-y, je rentre. Propager. Lui, il s'est déjà couché. Ah ouais, il dort le bras derrière, les deux bras derrière la tête comme Son Goku. N'oubliez pas de récupérer votre épée quand vous pouvez. Ouais. Il manque 10 niveaux avant de terminer la... la mine. Ah, après, elle est terminée. Elle est à 100 niveaux. Dès qu'il peut, je viens avec toi. Donc on va terminer vite fait. Mais le meilleur et le plus dur restent à venir. C'est tout ce que je dirais. Pas compris. Mais ça me fait peur. Je suis abasourdi. Moi qui n'avais pas mis un pied dans la mine lors de ma première run. J'ai dû faire la moitié du niveau. Mineur. Ah, j'ai le choix. Mineur plus... un minerai par veine ou géologue, possibilité pour les gemmes d'apparaître par paire. Bon, je vais prendre géologue. Hein. C'est quoi les gemmes? C'est tout ce qui est minerai. Ok, bah let's go. Eh, fais ce que tu veux. Ouais, géologue, comme ça, s'il y a un diamant, il y en aura deux, tu vois. C'est mieux. Ah oui, c'est pas bon. Ah, j'ai oublié de revendre, putain. Je vais les revendre. Demain, les amis, c'est l'anniversaire de... Hein, qui a elle? Tiens. Oh, une lettre. Oh, comment ça va? Tu dois vraiment faire fortune avec cette ferme. N'oublie pas ta chère vieille mère. Quand tu seras millionnaire, régale-toi. Un gâteau, les amis. Un gâteau rose. Oh là là. Tu m'attends pour la meilleure. Oui. Non, mon père, il m'a envoyé des cailloux. Moi aussi. Super. Merci, papa. Il est... Sous prétexte que tu es un homme, ça ne signifie pas que tu peux te mettre au... tu ne peux pas te mettre au fourneau, papa. Okay. Attends, parce que j'ai 78 de fer, alors il est hors de question qu'on les perde à la mine. Les champignons, c'est cheat. Hein. Il y a des champignons, ça remet la moitié de la vie. Fin... Oh putain, je viens de les vendre. Ah non, non, faut surtout pas les vendre, des champignons. Bah ok. Maintenant, je le saurai. Après, c'est, ça dépend, c'est lesquels que t'as vendu, tu sais. Le marron, je crois. Commun ? Ouais. Ouais, non, c'est de la merde. C'est pas cela. KT. On a nourri Piafabek ou pas ? Non. Faudrait que j'aille ouvrir mes géodes. Je vais acheter l'aide marine à 5000. Ça vous tend pas long en vrai si tu veux ouvrir tes géodes ? Ouais, je vais y aller avant d'aller à la mine arrière.
Incroyable, c'est bon, tu vas manger pour 4 jours, casse pas les couilles. De quoi? Diamant pour le père de Mago, 2250. Tiens, mais ils sont vraiment... On en a pas. C'est dommage. Ouais. 2250. On n'a pas eu beaucoup des diamants. On n'a pas regardé sur la télé si c'était notre jour de chance ou pas. Ouais. Tu peux regarder vite fait, il est déjà ou pas? Je suis en train d'aller au centre communautaire. Ok. Transformer les géodes. Ah, j'ai eu quoi? Granit. Putain, il m'a dit c'est bien, t'es amoureux, mais je pense qu'une une maison plus grande serait mieux pour toi. Oui, oui, ouais, c'est ce que je voulais te dire. Bon, c'est pas de soucis. Mais t'as 10 000 là, tu peux la faire, maison. Non, on va garder un peu d'argent quand même. Tu veux. Putain, je trouve que c'est pas de faire de terre par contre. Oh! I'm a joke to you? Ça sent tous au niveau 90? Ouais. Ok. On va faire un imam. Igname, pas un imam. Un imam, il a dit. Ah ouais. L'imam de Drancy. Bon jeu de mots, bien sûr. Mm-hmm. Un roi enrouillé, let's go. Une pierre. Bon, moi, let's go, du coup. J'ai un autre artefact. Ah, c'est dur à dire. Artefact. Arteta. Art attack. T'as pas la ref? La ref de qui? Arteta. Vas-y, Michael. Ah ouais. Je l'ai connu en tant que joueur, donc t'es caté. Ouais, lave l'épée. Ouais. L'épée. L'âme. C'est comme Leonardo. Hein. DiCaprio? Tu l'as connu? Non, de Paris. Ah oui, Leonardo, oui. Et il est pas niveau 90 ou quand là? J'arrive, laissez-moi trigner. Bonjour. Waouh, une épée de malade, les gars. Mmh. Alors, tac, tac. Ok, c'est parti, je suis prêt. Ah bah. Waouh, il crache des. C'est quoi ça? Ah, je me suis pris dans la gueule, bien sûr. Il se régène. Bien joué. Encore un. Okay. J'ai plus de vie déjà. Il y a l'échelle là. Il y a l'échelle les gars. Essence du vide. C'est bien ça, l'essence du vide. Elle est vers la porte quand t'arrives. Enfin quand t'es arrivé en bas. En tout cas en go l'échelle. Ah merde, j'arrive. Wouah! Oh, on va débloquer le. Non! Non! Tu penses? Non! Oh non. La musique! What? Oh la musique! J'entends pas. Ouais, elle est ultra faible. Non plus. Putain, le. Voilà. Elle est où l'épée là, super puissante? Là. What? Oh, le gâteau, ça m'a remis 79 de santé. Ouais, c'est pas du tout. Ah bah, il y a le. Il y avait du charbon dans le wagon. Oh, encore un rouage, oui. 93. Ah, je lag. Non. Non, 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 non. Il y a un mob. Tout quand je lag. Merde. Oh merde, j'arrive, il y a Coucou Karim aussi. Je l'ai buté. Alors attends, est-ce que c'est la capture qui lag ou c'est le jeu? Vu que je joue direct sur la capture. What the fuck? Ok, ça marche. Putain, c'est relou ça. Mais il fait quoi lui? Ah, c'était la capture. Oh, mais okay. Personne me surveille, je suis en train de me faire taper.
Il y a l'échelle. Il y a l'échelle. Les gars, l'échelle, quand vous arrivez au 94, c'est juste en dessous. Hein. Juste en dessous. Ouais, juste en dessous de là où vous arrivez. Non, mais non. C'est pour ça qu'il faut s'attendre. J'ai l'échelle en bas à droite. J'ai fait à 95 au cas où vous étiez en train de mourir, vous vous régéniez, vous sortiez, vous arriviez par l'ascenseur. Ok. Voilà pourquoi j'ai pas attendu. Parce que comme vous étiez 3, ça s'appelle un travail d'équipe. Comment ? Heureusement qu'il y a le gâteau de la maman. Échelle. Où ça? Ah oui. En bas à droite. En bas à droite. On arrive. Putain, on est meilleur quand on est beaucoup quand même. Ouais. Allez, on va manger un petit truc. Putain. Je suis en train de crever. Il y en a là de la caillasse. À droite, il y a des monstres qui est où ? Bague magnétique. Quelqu'un veut la bague magnétique ? Il faut que je mange. Ça fait quoi ? Ramasse les objets avec une meilleure portée. Moi je veux bien. Vas-y. Je peux pas. Bah tu vas mettre dans mon coffre. Après, ouais. Ouais, ça fait comme tout à l'heure quand je vais te donner l'épée. Sauf si quelqu'un a vu. Hein. Ah, échelle ! Oh GG. À gauche. En haut à gauche. Arrive. J'ai presque plus de vie. Moi aussi, faut que je mange un truc. Tu en as ou pas? T'as de quoi manger? J'ai de la noisette. Moi, j'ai des carottes, des cavernes. C'est pas mal les noisettes, c'est un bon. Ouais, c'est sympa, c'est des carottes. Hein. Ouais. C'est sympathique quoi. Une sorte de coffre là. Quoi ça? Un mob. Oh. Ah, je suis poursuivi. Quoi? Attends, je mange un truc. Putain, connasse. J'arrive. C'est bon. Et merci. Putain, c'était un mob, c'était pas un caillou. Encore 21h, 3 niveaux. C'est jouable. Faut pas qu'on mine au même endroit. C'est quoi ça? Ah non, putain, j'ai halluciné. Échelle en bas, bas à gauche. Yes. Non, pas maintenant, ok. Ah, il me fait peur, lui.
Ok, j'en ai eu un. Ok, j'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Ok. Allez, par où à droite? L'échelle. En haut à droite, échelle. Oh putain, moi que c'est du diamant, s'il te plaît. Je vais manger un truc. Qu'est-ce que j'ai à manger? Des cookies. Tu manques c'est du jams. Du jams. Oh, je suis trop heureux. Attention à pas mourir. J'arrive, Marou. Plus qu'un niveau, putain, c'est possible. Putain, il c'est y a pas des petites bombes, des bombes. Ah, je croyais que c'était un caillasse. Je peux plus prendre de risques à taper, moi. Ils sont trop forts, les types. Je vous laisse passer devant pour taper. J'ai plus d'énergie non plus. Ouais, il va être au bout l'escalier, c'est pas possible. Je pense. Ouais, il se fait tard. Je peux plus taper, je peux plus taper. Est-ce que vous avez de la pierre? Donnez-moi la pierre, donnez-moi la pierre. Donnez-moi vos pierres. Laissez-la par terre. Je suis à 76, si on en a 99, je peux faire une échelle. Avancez plus. Ok, attends. Non mais vas-y, il est minuit 20, on peut hein. Non mais si je fais une échelle, on descend de suite. J'ai de la pierre, tu veux de la pierre? T'en as combien? 17. Tiens, tiens. Comment on les donne? Mais je crois que ça m'en donne qu'une en fait. Ah ouais, c'est vrai, attends, je te redonne. J'en ai 36 moi. Tiens, 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 prends. Coco, ah, t'as pris toute ma pierre. Ouais. C'est bon? Oh merde. On se fait taper, on se fait taper. Oh, oh. Tout quand? Oh, let's go. GG ça. C'est chaud là. GG, on se barre. Quoi? Faut le donner au bundle, je pense. Celui-là, quoi? C'est quoi ça? Il se passe quoi? Hookah. Fruit étoilé. Hookah. Bah, il faut qu'on rentre à la maison. On n'y arrivera jamais là. Non, on est foutu. Oh putain. Ça y est. C'est quoi hookah? Parce qu'ils ont dit le fruit me rappelle le goût de hookah. Ah bon? Oh putain, ils ont fait un... C'est une chicha. Un épisode des Simpsons où le canapé c'est Minecraft et genre comment il s'appelle celui qui tient le bord déjà? Mo c'est un creeper qui explose à la fin. Putain. Attends mais il y avait encore l'échelle qui descendait là. Ouais, j'ai pas compris. Oh, t'inquiète pas que je vais y aller de suite. On y retourne. Je range un peu tout, moi j'y retourne. Putain, il faut que je fasse ça, il faut que je me fasse. Regarde dans mon coffre bleu, je mets la bague. Quelqu'un a déposé ton corps inanimé avec... Ouais. Alors du coup, on peut récupérer la quête. Attends, je te mets de l'herbe là. Ah ben non. Attends, mais il y avait une quête, c'était le niveau 100. Jusqu'à présent, c'est impossible de trouver le fond jusqu'où cette mine descend. Mais c'était pas niveau... Mais c'était niveau 100 avant la quête. Bah oui. Et on peut pas la récupérer. Direct, ils disent... on sait pas jusqu'où elle descend. On s'est fait douiller, là. Un peu, ouais. Ah, les bâtards. Je suis sûr que ça donnait trop d'argent, en plus. Quand c'est l'anniversaire de Tago. Ouais, t'inquiète. J'adore 9h. Putain, je suis dégoûté. Je voulais atteindre le niveau 100 pour récupérer la thune. Bah grave.
C'est pas juste d'avoir changé la quête. C'est pas juste. Ouais, du coup, il y a 1000 niveaux, c'est comment? On va aller voir sur le wiki. Juste descendre. Non, on l'a pas. Niveau 100. C'est la même chose. Par contre, on pouvait pêcher là. Dans la lave. Aïe. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'on pêche là-dedans? J'ai pas ma canne à pêcher sur moi. Moi je pêche rien du tout. C'est comme dans Pokémon, j'ai pas la bonne canne. Ou la méga canne. J'arrive! Ah si, ça a mordu. Lunettes cassées. Ah bah c'est très bien, c'est excellent! Ah, j'arrive pas au niveau max. Ah, j'ai perdu tout mon skill. Mais putain. D'accord, une canette de coca, c'est cool. Allez, ça mord pas ici. Quoi. Mais c'est qui? Mais on est à côté. Mais quoi, c'est qui? On me reste tranquille quand même. Mais oui, mais je voyais pas le point d'exclamation. Il était au-dessus de la tête de qui? T'étais sur moi. C'est qui? Oh, c'est qui celle-là là? Ah, ça donne plus d'énergie, je crois. Ouais, y'a que du déchet. Vous avez lu le dialogue ou on pourrait faire. Y'a que de la merde. Non. De quoi? Oh, vous avez mis quoi en chose préférée? Rien. Et bon, en fait, là, ça met, vous avez trouvé un fruit étoilé. Votre esprit est rempli de pensées de cher qui. Ah, mais oui, mais c'est pour ça que je disais pourquoi Ruka? Ça veut dire chicha, mais c'est parce que j'ai mis ça en objet préféré. Ah, mais t'es con, j'avais mis le chocolat, moi. Bah oui, mais vu que personne n'a lu la phrase en même temps, personne n'a su me dire. J'ai plein de pensées de cher qui. Oh, j'ai, eu des minerais, j'ai eu des minerais d'iridium. Ah, lourd ça. Mais. Bien gardé. Mais du coup, tout quand on l'a pas gardé le truc qu'on a drop. Ah, j'ai peur. Le non, fruit. Et ça a augmenté notre vie. Notre énergie. Regarde, ton énergie elle est plus grosse. Bah. Ah oui, c'est vrai. Non. Pas moi. Mais si, la barre. Bah si, le E il est plus haut que le S. Oh, let's go. Le E il est plus haut que le S. Bah non. Bah tu t'es fait douiller. Il est plus haut que le S, hein. Bah non. Le J c'est le S. Va voir mon stream, pas du tout. Non mais t'as vu, je pense. Tu l'as pas mangé ou quoi? Bah si, j'ai eu la lumière violette et tout. Ah, c'est quoi cette créature? Alors, mine. Je vais me faire spoil un peu. Putain, j'ai eu le parchemin level 1 du nain. Alors, la mine est constituée de 120 étages. Ah. Oh, j'ai, les amis, j'ai. Ok. Moi, le E est pas du tout plus haut, donc. Par voir. Ah, c'est rien, c'est la rue, hein. C'est quoi, ça? Peut-être qu'il faut le donner au machin. Échelle en haut. Échelle en haut. Madame.
Non, l'encre de calamar, faut pas lui donner. Oh, les gros, c'est parti. Non, faut m'aider à tuer. Oh, rien. Connard. Connard de virus. Bactéricide. Mais elle est là, l'échelle, au fait. À gauche. En haut à gauche. Manger un champignon, ça va failli me tuer. Génial ce jeu. C'est la manie que tu mouches. Oh là là, il y a plein de barils là-bas. Il n'y aura que de la merde, mais... Putain, j'ai plus d'énergie. J'ai l'échelle sur moi, en bas à gauche. Oh, attends, je vais en haut à droite, il y a full truc. Ah ouais, putain, de ouf. Ah, là, il y a un truc. Dégage, dégage, dégage. Eh, il y a deux échelles, ça veut dire quoi? J'en ai découvert une autre. Oh, c'est normal. C'est la rue. Bon, je m'arrête à 105, moi. Ah bah c'est bon, on remonte. On remonte? Ouais. Allez. Il y a plein de petits champs là, donc comme ça je mets tout mon énergie. Parce que... Pas que je meurs. Putain, mais il est déjà... Oh, j'ai trouvé l'échelle. Déjà 2h30. Comment ça fatigue, hein. Ah, faut qu'on est abonné aux mêmes gens. N'est-ce pas, Toucan? Oui, côté Souza. Allez, il va offrir ses diamants là-bas. J'ai déjà offert de cadeaux. Non, non, je lag, je vais pas mourir maintenant. Tu vas jouer à quoi, côté? Il loue peut-être des packs. Je pack. Mais il filme son écran. Ah ouais, mais c'est vraiment... Mais... Pourquoi il filme son écran? Ah, parce qu'il joue sur PS4. Ouais. Il joue sur PS4, il a rien pour capturer, il filme son écran. On est en 2012. T'as vu Bibi qui faisait des streams le matin sur Pokémon? Oui, oui, oui. Il j'aime trop. Et ça fait Zumba Koteo. Ok, je vais. Koteo Carnaval. On fait quoi? On finit la semaine? Ouais. Vas-y. La fatigue m'a touché. Touché. Pas cap, pas cap, du coup. Avec Jiraiya et Ben. Ah oui, ils le refont là. Encore. Touché au carnaval. C'est vrai que Jiraiya, il avait packé Mbappé. Oui, il avait packé Mbappé. Bah donc pendant le pack. Ouais, parce que j'ai vu le clip de Kamel qui était là, anime et tout. Et il avait que de la merde et derrière Mbappé. Ouais. Comme tu l'entends, je me suis dit, ouais, pareil, c'est fake. Aria. Mmh. Je pensais que t'étais dead. Coucou. Pas compris. Je pensais que t'étais dead. Man. Enfin, vous aviez pas l'air très inquiet pour des gens qui me pensaient morte. Hein. Ouais, un petit non, peu. Moi je savais que t'étais pas morte. Ouais. T'es beaucoup trop forte pour mourir comme ça.
C'est une phrase pour se rattraper aux branches, mais quand même un peu aimante. Mi-sincère, mi-mito. Mimitos, même. Moi, je suis plutôt Mimi. Et je suis Mimitos, qui était la pré-évolution de Papillusion. Et bien sûr, qui ne sait pas ça? Tu fais rire? Ben oui, parce que Mimitos, il évolue en aéromythe, mais en fait, il se ressent pas du tout. Alors que Papillusion, il ressemble beaucoup à Mimitos. Et que... Attends, c'est pas le truc de Papillusion? Non, Papillusion, c'est Chenipan. Ah bah Cocon fort, Papillusion. Et en fait, quand tu regardes Cocon fort, Cocon fort, Chenipan, ça ressemble plus à Aéromythe. Alors que Mimitos, ça ressemble à Papillusion. Et apparemment, c'était prévu comme ça, Mimitos, Papillusion. Ouais, bah oui. Mais comme Sacha, il capture un Chenipan et que bah, c'était plus mignon un Papillusion qu'un Aéromythe. Attends, pour l'animé, ils ont changé. Et du coup, bah voilà. Tout a été chamboulé, quoi. Ah ben ça, c'est sûr, mais bon. Tant qu'il y a Aquali, c'est bon. Tout va bien. Aquali, il y en a plein. Aquali, c'est le meilleur Pokémon. C'est pas faux. Non, c'est faux. Pardon. Un peu le pire des Evoli, mais... Aquali. Givrali, Noctali. Laisse Aquali tranquille. Laquelle votre Evolution, comment on dit en français, évolution préférée? Noctali. Aria. Oh, moi j'arrive pas à me décider. Noctali, Givrali. Hein. Ouais, Noctali ou Pyroli. Noctali et Nymphali aussi, elle est sympa. Givrali, j'aime trop. Voltali. Il y a jamais eu des voli plantes. Mentali. Philali, c'est quoi? Nymphali, mais c'est trop... Hein? Eh? T'as dit quoi? Tu me parles à moi, là? Oui, t'as dit Nymphali, c'est trop quoi? C'est quoi, ça? Oh! Non, c'est quoi, ça? Attends, il me faut du bouet. Il me faut du bouet! Et vos... Lition. Aria, je te mets ce quartz raffiné ici. Évolution. Merci. Ah, le plus beau, c'est Givrali. Non. Mentali. Mentali? Ouais. Bah attends. Magnifique. Vraiment. Et qui est beau, hein. T'as un Google Doc, t'as un PDF sous les yeux, là. C'est pas possible, parce que tu les connais pas, toi. Mais je me renseigne, tu vois. Parce que je sais qu'elle, elle connaît que la Gen 1, tu vois. Elle connaît que Aquali, Voltali. Et Pyroli. Voilà. Et non, c'est alors bien. C'est bien, t'as les bases. Non, mais c'est bien, justement. C'est bien. J'achète un émeraude à 3 fois son prix, 750 PO. Bah, si vous avez une émeraude. Ouais, j'en ai. Non, l'arbre est tombé dans l'eau, le bois est tombé. Elle est où, Jody? Elle habite où? Qui? Jody, elle habite où, Aria? Jeudi ou vendredi? Jody, elle habite la maison tout en bas du village, la bleue. À gauche. À gauche, ouais, merci. Je suis archi drôle, c'est vraiment perturbant. Putain, mais là, il y a une image, ils ont inventé plein d'évolutions. Genre, il y a un ghost, il a plein de bandages. Il y en a un qui vole, ça n'a aucun sens. Un combat, par contre le combat il est stylé. Avec des petits bandages sur les pattes. N'oublie pas de regarder pour les verres. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Ah oui, les verres. Ouais. Je crois qu'il est vert. Si vous allez à la mine. Ah, Givrali, j'aime trop ses petites oreilles là. Enfin, c'est pas des oreilles, mais ses cheveux. Enfin, je sais pas ce que c'est. Mais c'est des cheveux. Ouais, bah j'aime trop ces petits cheveux. Faire un don au musée. Oh, j'ai deux trucs à donner. Ouais, petit Mentali, c'est un petit chat là. Ouais. Ah, c'est Mims. Ouais. Putain, elle est pas chez elle. Allez les gars, il nous en manque 18. 18, c'est rien, c'est rien.
Ah, j'avais pas vu qu'ils avaient mis des citrouilles ici. Halloween. Et oui. Ah, c'est bien, finalement, on est dans le thème. J'ai oublié de m'occuper du poulet, si quelqu'un est toujours là-bas, qui peut le faire. Young. Je vais vérifier pas. S'il a de la paille. Oui. Je suis sûr que toi, t'es un mec dans le magasin, tu fais kikou. Alors, le poulet, on disait. Oh, le poulet, il est heureux, il met un cœur, ça veut dire qu'il est heureux, non? Mais il a à manger ou pas? Ouais, attends. Il y a de la paille. Attends. Merde! Attends. 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 Jody. Ok, attends, je l'ai. Attends, il a de la paille. Let's go, le basalt! Jeudi ou vendredi? Et vous les avez amis, pas eu une. 750 ouais. PO. Par jour. Vous avez pas eu à un moment donné une gemme, genre de toutes les couleurs? Genre arc-en-ciel. Ok. Ok, vous en avez une, faut lui donner au musée. Merde, j'ai pas récupéré. 50 de bois! J'ai eu la géode de toutes les couleurs, mais c'est tout. Qui c'est qui a du bois là à me dépanner? Personne. Je sais pas. Regarde dans mon coffre, peut-être. On aura bien avancé la mine. Hein. Oh, bien. Et je vais voir à quoi ça ressemble. Un quasi-acrabe, let's go! 3 quasi-acrabes! Je vais les mettre direct! Putain, il m'a. Elle est où la ruche? T'as pas du bois, toi? Non. Non? J'ai aucun craft, donc ça me sert à rien de farm. Moi, je voulais me faire un deuxième coffre en fait. Oh, le poulet, il est avec le chat. Eh, mais le poulet, c'est l'icône du jeu sur PC. Ouais. Là, quand je l'ai vu, je me suis dit putain, je l'ai déjà vu quelque part. C'est ça, c'est l'icône du. Ouais. Tu l'as pas posé la ruche? Non, je t'ai dit, je vais faire les géodes. Et merde. J'avais des géodes à ouvrir. Pas de soucis. Bon. On a que des champignons communs. Il faut des fleurs pour aller. Pour le miel. Ouais. Rien qu'à l'heure de très bonne humeur aujourd'hui. Oh, quelqu'un n'a pas fait les poubelles, je le fais pour eux. Mm-hmm. Des petits cookies. Après, il critique, oui, mais. Et il clique. Mmh. Il critique. Il critique, mais il fait pareil, oui. Toujours pas vu de verre de terre. Moi non plus. Sur le magasin, ils ont mis un autocollant de citrouille, tu sais, pour la porte. Oh, je croise plus un ver de terre, c'est incroyable. Vraiment stylé l'automne, en tout cas. Hâte de voir l'hiver, mais. J'aime beaucoup ces petites feuilles là. Ça y est, je crois que j'ai assez de. De cœur? Non, de. Non, pas de cœur encore. De bois. Ah. Ah, mais j'ai 8 cœurs, moi. Faut que j'aille. Putain, faut que j'aille à la Syrie. Vite! Oh là là. Au tort. Pourquoi? Il est 4 heures. Mais qu'est-ce que tu vas faire à la Syrie? Bah, j'ai rencard là-bas. Ah. J'ai passé dedans, mais. Oh, oui, tu voulais aller chez le forgeron, c'est pour ça. Ah merde, mais il y a ma boîte aux lettres là. Waouh, il n'y a plus de place! Maru! Je sais pas où le mettre, gars. Où es-tu, Maru?
Non, pas là. Merde, comment je fais? Merde! Ça marche comment, putain, j'ai quitté. Oh, merde! J, il s'est fait soulever par sa meuf parce qu'il a crié quand il a canté. Et il a dit, crois-moi, si Azidane, elle va pas dormir la journée. Canté, pas mal. Ah, il a canté, ouais. 8 heures. Entrer dans la Syrie entre 9h et 16h. Ah non, ça c'est 10 heures. Entrer dans la Syrie quand Maru s'y trouve. Maru dit qu'elle travaille sur un nouveau projet. Quelque chose d'énorme. Ouf, je m'endors. Ah ouais, alors, putain. Je pourrais jouer encore toute la nuit. Là. Ah ouais, je me suis fait spoil sur l'event là, c'est incroyable. Mais t'as fait déplier ? Ouais. Mais fallait pas. Ouais, mais c'est incroyable. Mais si, puis il clique sur l'onglet spoil et il se plaint qu'il soit spoilé. Je me suis pas plaint, j'ai dit c'est incroyable. Juste le truc. En plus, ils ont fait exprès de mettre juste le truc qu'il faut faire pour avoir le machin. Ouais, mais en fait, ils disent juste entrer dans la Syrie quand Maru s'y trouve. Mais s'y trouve quand en fait ? Genre. Bah, regarde le villageois. Pour la prochaine fois. En tout cas, il y a un drame qui va se passer, hein, sachez-le. Je vais devenir un grand brûlé au troisième degré, visiblement. Ouais, c'est hardcore ce jeu, quand même. Franchement, Maru, c'est la pire. Elle aime que les diamants. Dès que t'arrives à 8h, elle te brûle la gueule, c'est bon. Vas-y, je vais dormir. Bon, sur ce YouTube, on se quitte ici. Des bisous et à la prochaine. Ciao, bye bye. Ciao.